Que de turpitude lorsque l'on s'exprime à l'écrit. Pour rendre la ponctuation plus ludique et vivante, voici une aide qui vous sera précieuse. Notre consultant en ponctuation, voilà, est là pour vous guider. Au fil du texte qui va suivre, il illustrera tous les signes de ponctuation de la façon suivante. La virgule. Le point. Le point virgule. Les deux points. Le point d'interrogation. Le point d'exclamation. Les guillemets. Les parenthèses, la barre oblique ou slash, le tiret, l'astérisque et enfin l'alinéa. Aujourd'hui, nous ponctuerons une lettre de rupture. C'est parti! Chère Vanessa, si tu lis cette lettre, c'est que c'est fini entre nous. En effet, j'ai retrouvé dans la poche de ton manteau un mot de ton nouvel amant. Salope ! Je pensais que l'épisode des crêtes de coq nous avait rapprochés. Que dalle ! Pour information, l'opération s'est bien passée. L'équipe médicale est très pro, mais la rééducation va être longue. Tu m'as détruit, Vanessa. Plus jamais l'amour ne viendra nicher dans mon cœur. Qu'ont-ils de plus que moi, tous ces hommes? Hein? Tu sais, Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944, disait « S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. » À la page 27 du livre de citation que je t'avais offert. Moi, je n'ai jamais su dans quelle direction tu regardais. Ah, et je comprends mieux tes workshops avec ton collègue tous les week-ends. Si je te revois, je te fous mon dans la gueule, sale. Je t'aime, Fabien. Le 19-01-11. Point final. Merci.